Funke Mange qui dit que ceux qui n'ont pas laissé pour le professeur Alpha Condé, qui ne vont pas laisser pour l'Aïmadi. Voilà. On saura entre les deux là, qui est qui? Entre les deux là, qui est qui? Là, comme vous dites que vous existez là, vous représentez la société civile. On verra maintenant de quoi vous êtes capable. D'après vous, que vous n'avez pas laissé le professeur Alpha Condé. Ce n'est pas vous qui avez renversé le professeur Alpha Condé. Vous êtes venu, on vous a déstabilisé. Vous étiez en prison. Si vous osez gueuler pour dire que oui, ce que vous n'avez pas laissé, moutant tout ce qu'on peut dire à Naotagi. Si le CNR veut, CNRD veut, ils n'ont qu'à gifler FNDC. Moi, ce n'est pas mon problème. Si le FNDC veut, ils n'ont qu'à écraser le CNRD. Moi, ce n'est pas mon problème. Maintenant, là, on verra qui est fort. Qui est le peuple? Là, il m'a dit qu'il a fait son coup d'État, c'est pour le peuple. CNRD dit, eux, ils disent qu'ils sont là pour le peuple. On verra maintenant, entre vous, là, qui est fort? On vous attend seulement. Mais on ne veut pas seulement bruit. Hein. On ne veut pas de bruit. FNDC, là. Ne retardez même pas. On veut vous voir en action, comme vous l'avez fait au temps de Prague. C'est ce qu'on veut voir. Si vous êtes des garçons vraiment, si vous êtes des hommes là, si Funke Mange, Kunduno, Ibrahim, si vous êtes des hommes là, partez. Nous sommes des arbitres. Celui qui aura faim là, on va lui donner à manger. Celui qui a soif, on va lui donner de l'eau. On saura vraiment c'est qui. Moutan, Anaotagi. Nous, on vous observe. Mais si vous n'allez pas à l'affront, c'est que. Parce que c'est FNDC qui a commencé. C'est que vous n'êtes pas des hommes. Vous devez aller à l'affrontement. On veut vous voir. Comment vous allez gérer? Ngaï, ce qu'on n'a pas laissé pour le professeur Alpha Condé, on ne va pas laisser pour. Non. Il y a des gens même. Si c'est pour parler, ils savent parler. Mais cette fois-ci-là, on va vous voir en action. Ouais. Nous, on vous attend. On vous attend seulement. Comme c'est vous êtes des rebelles. Là. On vous attend cette fois-ci. Vous allez vous affronter entre CNRD. Moi, je dis, nous, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. On vous observe seulement. On vous observe. On vous observe. Comment vous allez terminer là? C'est là-bas même que vous êtes capable de quelque chose. Sortez! Sortez! C'est ce qu'on veut. FNDC, on vous attend. CNRD est venu ici. Vous avez dansé avec le CNRD. D'autres étaient en exil. Vous êtes rentrés, vous avez dansé. Tout ce que Doumbouya là, il m'a dit fait aujourd'hui, là, est-ce que vous devez contester? Hein? Vous devez contester? Comme vous avez sorti vos griffes, là, partez jusqu'au fond. Allez jusqu'au bout. Il y a d'autres qui ont dit ici, oui, le procès n'est pas bon. Mais nous, on est serein. Nous savions que la situation actuellement, pour débloquer cette crise économique sur la Guinée, seul le FAMA, des appels, c'est fini. Des appels. Seul le procès Alpha Condé. Vous avez applaudi, non? Vous avez dit, vous voulez un coup d'État. Vous voulez un changement, non? Vous avez eu le changement. Nous sommes le combien aujourd'hui? Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Nous sommes au mois de Ramadan. Des fonctionnaires ne sont pas encore payés. Vous avez dit que vous voulez le changement. Wallahi, vous n'allez plus réclamer encore un autre coup d'État dans ce pays-là. Vous n'allez plus réclamer un autre coup d'État dans ce pays. Nous, vous nous voyez, on n'est plus agité. Hein. Vous étiez là à danser, organiser des concerts, des rencontres. Nous, on est assis tranquille à Naotagi. En tout cas, nous, on vous a dit le CNRD était mal nécessaire. Était mal nécessaire. Moi, je vous ai dit maintes fois ici, le gars, il a défendu son intérêt. Il y a des trucs qui allaient exploser. Il a sauté sur le gâteau. Sinon, là, il m'a dit où il est aujourd'hui. Il est dans un regret. Il le sait bien. Il est dans un regret. Ils l'ont poussé à faire le coup d'État. Où il est aujourd'hui, il est dans un regret. Il sait qu'il ne peut pas. Mais ils vont le forcer. Ben, je vais dire quelque chose à Ambara, parce que c'est vrai, ces jours-ci, il a dosé
C'était lui et Bala. Amara Kamara, il a un peu dosé ces temps-ci là. Il n'est plus impliqué dans les affaires louches comme Bala. Mais l'affaire de Krief, c'est l'idée de Amara. Mais mon frère, il faut bien faire. Il faut bien faire. Sinon, tu risques un jour d'être en exil. Tu ne pourras pas rester en Guinée. Ce que vous êtes en train de faire, si vous le faites bien, c'est dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos familles. Mais si vous le faites mal, faites du mal aux gens, c'est contre vous-même. Quand tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Amara, ton affaire de je ne sais pas, Krief ou quoi, vous abusez. Aucun de vous n'a le niveau de M. Nabé, l'ex-gouverneur de la Banque centrale. Vous êtes en train de détruire ces personnes comme ça. Sans jugement, sans aucune procédure. Parce que oui, vous voulez chercher à chérir la population pour qu'on dise, oui, ceux-là, vous voulez bien faire. N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train d'auditer. Le passé des autres. N'oubliez pas votre passé aussi. Vous aurez un passé. N'oubliez pas comment vous êtes venu au pouvoir. Je vous ai dit, si vraiment vous avez voulu réconcilier ce peuple, c'était de faire des audiences foraines. Ce n'était pas ce genre de conneries. Krief, même si on devait créer cela, ce n'est pas vous. La manière dont vous êtes venu, cela ne vous donne pas la légitimité. La légitimité de détruire nos cadres ainsi. Prendre Ismaël Diabaté, le mettre en prison. Nabé, c'est-à-dire cette dame d'Afla qui n'a rien à voir dans le problème, vous la mettez en prison. Tout ça là, vous pensez que quoi? Que demain, vous aussi, vous n'allez pas rendre des comptes? Je vous dis, quand vous faites du bien là, quand vous faites bien, vous aurez la récompense. Mais quand vous faites mal, vous allez avoir ça devant vous. Ne vous dites pas que vous êtes éternel. Je vous dis, votre pouvoir est fragile. Le professeur a fait 11 ans à celui dont il a fait confiance. Son âge, je dirais, le gardien du temple, Doumbouya, à qui il a tout donné. La personne qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a trahi. N'oubliez pas cela, hein. Ce n'est pas le FNDC qui a fait partie le professeur Alpha Condé. Ni l'UFDG, ni l'opposition. C'est celui dont, à qui il a tout donné. Là, il m'a dit. Donc, ne vous dites pas que vous allez rester éternellement. Vous allez faire ce que vous voulez. Je vous dis, quand vous faites bien, c'est dans votre intérêt. Si vous voulez, là, dites-vous aujourd'hui. Jusqu'à présent, le peuple ne s'est pas encore levé. Hein. C'est pourquoi vous vous permettez de tout faire. C'est pourquoi vous vous permettez de tout faire. À un moment donné, il faut changer. On vous a déjà mis en garde. Mais continuez. Continuez. Quand ça va déborder, vous allez récolter. L'idée de faire sortir des décrets ou je ne sais quoi, que vous allez imposer l'âge ou vous allez interdire Paul ou Pierre d'être candidat. C'est la partie là, c'est le vent là qui va vous emporter. C'est le vent là qui va vous emporter. Déjà le peuple en train de souffrir. Il y avait beaucoup de projets en cours où les gens travaillaient. Vous êtes venus, vous avez tout mis à l'eau. Vous êtes venus, vous avez pris plus de 8000 travailleurs, les mettre à la retraite. Les gens sont en train de souffrir. Même si, oui, on dit tout, troisième mandat. Par rapport à la sous-région, la Guinée était bien partie. Le FAMA, le professeur Alpha Condé, avait mis ce pays sur la voie de l'émergence. Vous êtes venu avec l'argument, oui, Gabéji, nanani, nanana. Vous avez saisi tous les comptes. Vous avez saisi. C'est un coup d'État qui a surpris tout le monde. Là, il m'a dit qu'il n'était pas opposé au professeur Alpha Condé pour dire, oui, c'était déjà déclenché. L'opposition était là, donc on s'attendait. Non. Il a surpris tout le monde. C'est-à-dire, il a surpris tout le monde. Le professeur ne pouvait pas imaginer que quelqu'un comme là, il m'a dit, son ange gardien pouvait lui trahir à ce moment-là. Il ne pouvait jamais l'imaginer. Nous qui sommes là, on ne pouvait jamais l'imaginer. Donc, mon frère Amara fait très bien. Voilà. Il y a eu l'histoire de Dadis et ton père. Si tu es rancuneux, il faut mettre ça de côté. Il faut regarder l'intérêt général de la Guinée. Si c'est pour venger ton père, ce n'est pas le moment, Amara.
tu connais déjà ta situation financière. Comment était ta situation financière avant le 5 septembre? Et aujourd'hui, vous vous êtes tous enrichis. Vous êtes tous enrichis. Vous êtes en train d'acheter, vous êtes en train de construire. Vous saviez que ce n'est pas vos salaires. Vous saviez que cet argent, vous ne la méritez pas, quoi. Donc, essayez de faire les choses dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, ne dites pas, oui, on va juger tel, on va juger. N'oubliez pas votre tour aussi. Hein. N'oubliez pas votre tour. N'oubliez pas votre tour. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez le faire en sorte qu'il n'y ait pas le chaos dans ce pays. Qu'il n'y ait pas le chaos dans ce pays-là. Si vous êtes là pour le peuple, l'histoire, vous allez écarter Paul. L'histoire, vous allez écarter Pierre. Éloignez-vous de ça. Vous avez dit, c'est le troisième mandat. Vous voulez auditer, assainir la fonction publique. Continuez sur ça. Mais les règlements de compte, Amara, éloignez-vous de ça. Depuis nos critiques, vous avez beaucoup changé. La manière dont tu étais dans les affaires, tu as arrêté un peu. C'est Bala, Finko Bala, qui était dans tout ce qui était louche là. Donc, on vous dit de travailler dans l'intérêt du peuple. On a dosé sur vous. On a beaucoup dosé sur vous. Nous avons beaucoup dosé sur vous. Mais vous ne faites pas attention. Le moment venu, wallah, vous allez tout perdre. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre si vous ne faites pas attention. Actuellement, le CNRD, vous n'avez même pas 5% de soutien du peuple. Vous le saviez. Vous n'avez pas 5% du soutien. Vous prenez les militants de l'UFDG. Ils ne veulent pas vous sentir. Vous prenez le RPG. Malgré que nous ne sommes pas violents, on accepte. Mais s'il s'agit de faire un choix, de dire, est-ce qu'on veut que vous restiez, vous n'aurez pas la majorité. Donc vous devrez beaucoup faire attention. C'est un petit truc seulement qui va faire que vous allez partir. Donc, mon frère Amara, Aliokolka Ankrila, mettez en tête que vous n'êtes pas l'émanation du peuple. Vous avez pris les armes. C'est ce qu'il faut mettre en tête. C'est les armes que vous avez prises. Ceux qui ont applaudi hier, ils sont plus en colère contre vous que nous qui avons été victimes. Parce que c'est nous qui avons voté pour le professeur Alpha Condé. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Sinon, vous allez tout laisser dans ce pays-là. Vous allez tout laisser dans ce pays. Bon, j'ai vu la déclaration de Mandia Sidibé qui dit qu'il demande pardon au professeur Alpha Condé et à sa famille. Moi, le pardon, c'est accepté chez moi. Le pardon est accepté chez moi. Mais tout le monde doit méditer sur sa déclaration. Nous devons tous méditer sur la déclaration de Mandia Sidibé. Que ce soit Mandia, que ce soit Youssouf Goundou, que ce soit Colombo et Moussa Moïse, tous ces journalistes-là, ils savent qu'un jour, ils vont rendre des comptes. Les gros mensonges, les gros dossiers de mensonges de Youssouf Goundou sur Zainab Nabaya, qu'au Nabaya Gate, où on met aujourd'hui Ismaël Djoubaté en prison. Vous allez rendre des comptes demain. Mais tout ça, c'était fait pour mettre le peuple en colère contre le pouvoir en place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption. Même aux États-Unis, ici, il y a la corruption. Partout dans le monde, il y a la corruption. Mais la manière dont les journalistes guinéens se sont comportés envers le régime de professeur Alpha Condé, mais demain, Inch'Allah, vous allez payer. Pourquoi vous avez révolté, vous avez menti des gros dossiers pour dire, oui, ceci, cela. Vous allez tous payer petit à petit. Si déjà tu te rends compte que oui, tu en as abusé, tu avais tort, hein? Mais tu vas payer sa chair un jour. Attendez, je vais bloquer. Voilà. Donc, comme tu t'es rendu, c'est toi qui l'as fait. Tu es venu supporter le CNRD, on t'a nommé DG de OGP. Tu n'as pas su la pression de quelqu'un. Tu étais en exil. Tu n'as pas demandé pardon. Maintenant que tu es dans le beurre
Tu te fais plus de 50 millions par mois. Tu n'es pas sous pression. Financièrement, ça va. Si tu demandes pardon, moi, le pardon est accepté. Le pardon est accepté. Mais vos amis, là, dites-leur, ils doivent changer. Ils doivent changer. Vous avez critiqué le professeur Fakonde. Vous l'avez dénigré ici. Vous avez vu aujourd'hui le courant interconnexion de la Côte d'Ivoire à Zérékouré. Tout ça, c'est l'effort du professeur Fakonde. Vous savez la pression qu'il a mise sur son ami, le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, pour que la forêt puisse avoir ça. On a Kaleta, on a Soapiti. Mais c'était vous encore qui étiez là à dire que le professeur n'a rien fait pour ce pays-là. La route nationale. Vous allez tous rendre des comptes. Vous allez tous rendre. Même si on vous donne 10 ans, vous allez voir. 10 ans! Et vous, où il n'y a pas corruption, là, vous n'arriverez même pas au chevilles du professeur Fakonde. On vous donne 10 ans de transition. Là, vous dites que vous luttez contre la gabegie financière. Vous avez saisi les comptes. Vous n'arriverez même pas au chevilles du professeur Fakonde. Vous n'arriverez pas au chevilles du professeur Fakonde. Vous avez compris maintenant que le développement, ce n'est pas la bouche. Il faut les hommes capables, qui ont des relations, qui peuvent faire bouger les choses, comme le professeur Fakonde. Je dis Dieu merci au RPG Arc-en-Ciel. Les militants, les responsables, nous sommes restés sereins. Ils ont fait le coup d'État. Personne ne les a empêchés. Si les gens étaient sortis, brûler les pinets, empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils veulent, c'était pour dire c'est les militants de RPG qui empêchent le CNR de travailler. Personne. Ils ont fait autant de décrets. Les hommes qu'ils veulent, ils les ont choisis. Ils font ce qu'ils veulent. Des arrestations arbitraires. Donc, nous, on dit à Alhamdoulaye, ça va. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte. On reste serein. On observe la situation. Entre FNDC, la branche armée de l'UFDG, le financement, tout vient de l'UFDG. Voilà. Le financement, tout vient de l'UFDG. Le financement, tout vient de l'UFDG. Tout vient de l'UFDG. Donc, comme vous dites, hier, vous avez dit que le FAMA n'a rien fait, la démocratie était menacée, vous avez voulu un coup d'État, vous avez le coup d'État. Maintenant, si vous êtes des hommes, vous portez des pantalons, des culottes, sortez aussi, vous allez affronter le CNRD. Vous avez dit la démocratie, non? Vous avez dit que c'est les autres qui vous tuaient. Vous avez dit que non, tout était bafoué. Maintenant, on va vous voir en action. On veut vous voir autant de manifestations là. Nous voulons voir ces manifestations avec l'Aïmadi. On va voir si c'est lui le démocrate, comment il va se comporter envers vous. C'est ce que nous, on veut voir. Ne reculez pas. Hein. Si vous voulez attendre après le mois de Ramadan, c'est bien. Après le mois de Ramadan net, la première semaine, lancez vos manifestations. On veut vous voir en action. Parce que, un, le CNRD a fait du mal au professeur Fakonde. Et vous, vous avez tout le temps essayé d'empêcher, mais vous n'avez pas pu empêcher. Si vous deux, là, vous voulez vous affronter, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Vous dites que c'est vous le peuple. Là, il m'a dit qu'il est venu, il a fait son coup d'État pour son peuple. Alors, on veut vous voir en action maintenant. On veut vous voir en action. Comment vous allez terminer? Comment vous allez terminer? C'est ce qu'on veut voir. En tout cas, nous, il n'est pas encore tard. Même si le procès doit revenir pour 6 mois, nous, les patriotes, nous avons toujours l'espoir. Parce que la situation actuelle de notre pays, seul le procès Fakonde, à travers ses relations, qui peut sauver la Guinée aujourd'hui. Économiquement, nous sommes à terre. Je vous ai parlé de ça. Les 4 premiers mois, il y avait les réserves, le trésor public, il y avait de l'argent. Tout allait bien. Mais je vous avais dit, après 4 mois, c'est fini. Ils seront pris au coup. Nous sommes le combien aujourd'hui? Mois de Ramadan. En principe, on devait payer tous les fonctionnaires avant le 25 pour bien commencer le mois de Ramadan. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien. Tout est cher. Rien ne va. Actuellement, on n'a même pas encore augmenté le prix du carburant. Nous, moi, je ne vais pas souhaiter le malheur pour mon peuple. Mais ceux qui ont dit qu'ils peuvent, c'est à eux de résoudre. Ceux qui ont dit qu'ils peuvent, c'est à eux de résoudre. Ce n'est pas à nous.
Vous dites que les autres ont volé. L'argent qu'ils ont volé là, vous avez tout saisi. Vous dites qu'ils ont volé. Tous leurs comptes ont été saisis. Alors, où est le problème? Si c'est ce qui doit rendre le peuple heureux, l'argent que vous avez pris là, mais rendre le peuple heureux, vous dites que ceux qui étaient là, malgré le changement qu'ils ont apporté à ce pays, hein? Fibre optique, carte d'identité biométrique, passeport biométrique, la route nationale, autant de ponts, autant d'écoles professionnelles, toutes les préfectures de la Guinée ont bénéficié. Vous dites que non, qu'ils n'ont rien fait. Comparativement à d'autres qui ont fait 24 ans, qu'ils étaient dans l'opposition à gueuler, à dire non, que le pouvoir là n'était pas bon. Ceux qui ont fait 24 ans à gueuler sur ce pouvoir, vous avez dit que non, c'est eux le peuple. Hein? Actuellement, même pour assainir la ville, vous savez, les premières années du procès Alpha Condé, oui, on disait la ville était sale, mais en fin de compte, le département de Papakoli, comment était devenue la ville de Conakry? Mais aujourd'hui, ils ont des problèmes. Donc, franchement, c'est ce que je vous dis. Si vous faites bien, c'est dans votre intérêt. Si vous faites bien, c'est dans votre intérêt. Mais vous devez changer. Vous devez changer. C'est-à-dire, Amara surtout, parce que c'est lui le cerveau de la création de CRIEF. Parce que les membres lui font un compte rendu. Ils ne font que sélectionner. Mais je vous ai dit, faites beaucoup attention. Wallahi Amara, naimake konye. Ni jama kawure kama lumina. Abi dimisa. Femfe basroni. To susa ilani. Abi nina beko. Ay kulke hankirila. Ay kulke hankirila. Election make kaila si. Election make kaila si. Motu nimino. Kukoken mola. Mobe moju sumaji. Mota jebela. Modata aila kuuro. Me aywanya. Kafoko sini sini. Aketo selu. Docteur Kassouri, l'ancien Kouyaté, Sidia, quand il n'a pas décrété la bonne, qu'on fait carrément que la candidate, elle vient d'embrasser Allé Nasrola, qu'on donne à Timine na Badjigbeyala. Donc, naya hankirisoro, aya hankirisoro. B, il est monani choborouma, il monani dadi sur la groupe ouma, qu'on l'a na komik la kuno, qu'on m'a ben, il fa minani ubro, oma beima. B, alouli yena B. Nema hankirisoro. Ay wanya bendede, nema hankirisoro. Sinifona, maybe alufana wato, tungana ni, etenatura ino. Dufana befanga tala, uketafola leko, ina ula moutrola, ina kilata. Ule na fuli nyene, ile Amara, règlement de compte, obu ilako Kenya ulo. Ça te fait 7 mois maintenant, tu dois avoir de l'expérience maintenant, dans la gestion de l'administration. Mais si vous voulez vous comporter toujours comme des petits, des nouveaux. Et nous n'avons pas besoin de ça. Mais nous, on a assis. Vous avez humilié. Vous étiez tous derrière le procès Alpha Condé. Vous l'avez humilié. Vous avez cru que le peuple allait vous dire, c'est vous les meilleurs. Ceux qui ont dansé avec vous, ils sont où aujourd'hui? Ils ne veulent même pas vous sentir. C'est eux qui veulent vous croquer aujourd'hui. S'il y a des gens aujourd'hui, hein, qui vous respectent, c'est ceux que vous avez blessés hier. Nous qui étions là à vous critiquer, à dénoncer votre trahison, c'est nous aujourd'hui. Ceux qui ont applaudi devant vous, vous étiez fiers. Vous avez cru que non, vous étiez déjà au ciel. Aujourd'hui, le procès Alpha Condé, combien? Même ceux qui ne l'ont pas aimé hier. Parce que votre incapacité, c'est ce qui rend le procès Alpha Condé fort. Votre incapacité, c'est ce qui rend le procès Alpha Condé fort aujourd'hui. C'est ce qui rend le procès Alpha Condé fort. Mais si vous êtes capable de bien faire, les gens-là ne vont même pas penser au procès Alpha Condé. Ceux qui disent on préfère le procès Alpha Condé, c'est parce que vous êtes incapable. C'est parce que vous êtes incapable. Vous n'allez pas pouvoir changer. Qu'aux démocraties, bah. Hein? Quoi, bah. Le résultat, c'est de changer la vie de sa population. Et c'est ce que le FAMA était en train de faire. En Afrique aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de payer ces gens-là? Malgré que vous vous disiez que les gens étaient là en train de voler. Mais eux, là, malgré les vols, il y avait ces programmes-là pour aider les pauvres.
Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Tout est bloqué aujourd'hui. Autant de chantiers bloqués à l'arrêt. 7 mois après avoir saisi les comptes. 7 mois, vous gérez le pays. Donc, essayez de comprendre. Essayez, je vous ai dit, votre gouvernement, là, vous devriez même mettre un gouvernement d'union nationale. Vous devriez mettre un gouvernement d'union nationale. Bien. Vous devrez mettre un gouvernement d'union nationale. Mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est la faute, c'est la force qui va tout résoudre. Continuez seulement. Vous allez voir la fin. Wallah, in Allemagne qui connaît. Nous, on est serein. Nous, déjà, notre colère. Le Fama, on sait qu'il est à l'aise. Nous, ça va, alhamdoulaye. Parce que les 4-5 premiers mois, on ne savait pas quelles étaient les conditions du Fama. Mais depuis sa sortie, ça nous a soulagés. On dit alhamdoulaye. Le vieux, tu as voulu faire. Tu as voulu faire bien pour ce pays. Ils ne t'ont pas compris. Ça va. Nous, jusqu'à présent, on va toujours continuer à parler du Proce Alpha Condé. Personne ne peut. Vous avez cru que c'était juste quelques jours. Hein? Le Proce Alpha Condé reste gravé à nous. Pour les bons Guinéens qui savent qu'il a, grâce à lui aujourd'hui, la route nationale. Grâce à lui. Grâce à lui, qu'à l'État soit petit. Grâce à lui, le courant aujourd'hui à zéro. L'interconnexion, grâce au Proce Alpha Condé. Le passeport guinéen aujourd'hui, biométrique, carte d'identité qui était papier, tout ça, ça ne finit pas. L'administration, guichet unique, tout ça. Si vous dites que lui n'a rien fait, alors allons-y seulement. Vous qui pouvez faire là, on vous observe. Le peuple vous observe. Le peuple vous observe. Donc, la famille, c'était un petit rappel. Et toujours pour conseiller le CNRD, s'ils font bien, c'est dans leur intérêt. S'ils ne font pas bien, le résultat aussi, ils savent qu'ils ne vont pas rester éternellement. Il y a d'autres qui vont venir. C'est ça. Il y a d'autres qui vont venir. Mais si je dis que je n'ai pas peur pour mon pays actuellement, j'ai menti. À l'allure, là, s'ils ne font pas attention, s'ils ne font pas attention, on risque encore de voir un deuxième de ce qu'eux, ils ont fait. S'ils ne font pas attention, on risque de voir un deuxième de ce qu'eux, ils ont fait. Parce que si vous ne faites pas bien, ces perturbateurs-là vont sortir. Ça va dégénérer. C'est d'autres qui vont vous remplacer. On dira que vous n'êtes pas bon. On dira que vous n'êtes pas bon. C'est là-bas. Donc, si vous faites bien, là, au lieu de vous mettre à sélectionner des gens, à faire souffrir les gens. Hein? Donc, merci à tout le monde, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Nous, jusqu'à preuve contraire, le Proce Alpha Condé, il reste toujours notre président. Tout ce que l'AIMADI est en train de faire, il est en train de finir les projets, les grands chantiers du Proce Alpha Condé. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé. Ce sont les chantiers du Proce Alpha Condé qui sont en train d'achever. Donc, jusqu'à preuve de contraire, salut le président. Et son mandat devait prendre fin en 2026. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est lui notre président. C'est pourquoi je ne peux jamais appeler le colonel mon président. Ça, je vous le dis. Hein. Si je ne vois pas de déclaration du Proce Alpha Condé où il démissionne, ceux qui disent, ah Damaro, pourquoi tu le dis président, pourquoi? J'ai voté pour lui. Là, il m'a dit à faire la force. Donc, il n'a qu'à m'imposer avec cette force-là. Là, il attrape mon cou. Damaro, appelle-moi président. Là, comme ça, je vais l'appeler président. Si ce n'est pas ça, je ne vais pas l'appeler président. Mon président, c'est le Proce Alpha Condé. C'est lui qui a été élu par le peuple. Donc, ceux qui se fatiguent, là, pourquoi tu ne l'appelles pas président? Il est venu par la force. Il doit me forcer à l'appeler président. Voilà. Si je vois les armes sur mon front, je vais lui dire président pour sauver ma vie. Sinon, actuellement, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien. Parce que je sais que le peuple est en train de souffrir. Nous, tout ce qu'on gagne, on envoie au pays actuellement. Tout ce qu'on gagne, on ne fait qu'envoyer. On dit, les devises ont baissé. Mais actuellement, là, qu'est-ce qui marche? Tu envoies 100 dollars en Côte d'Ivoire. Ce que 100 dollars peut faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça n'arrive. Tu ne peux pas le faire en Guinée aujourd'hui. Tout est cher. Tout est cher. Hein?
Donc, merci à tout le monde, merci à tous les patriotes. Continuons de prier pour la paix dans notre pays. Continuons à demander le bon Dieu qu'il y ait vraiment l'attente dans ce pays. C'est ce qu'on veut. Prions le bon Dieu. Nous ne voulons pas le chaos. On prie le bon Dieu que le CNRD parte dans la paix. On ne veut pas d'effusion de sang. Mais on prie le bon Dieu que ces gens-là partent dans la paix, dans la tranquillité. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout ce qu'on veut. Kamano Tamba Kekura, merci à vous. Merci à Mohamed Keïta. Merci à ADC Amara Douakou Kondé. Merci à Adjabo Boïssa Doumbouya. Merci à tout le monde. Sophie Diawara. Donc, merci à tous les patriotes. Le combat continue. On vous a dit, si vous ne dérangez pas les partis politiques, faites ce que vous voulez. Voilà. UFDG, ils ont espoir en ces loups de venir. Nous, nous avons espoir à Dr. Kassori. Donc, vous voyez déjà, vous n'allez pas venir gâter tout ça. Et là, vous allez voir le peuple sur votre chemin. Vous avez dit le vieux, oui, troisième mandat. N'oubliez pas ça, gros.